Salut, salut, voilà qu'on se retrouve pour un nouveau tutoriel et j'ai dû anticiper le tutoriel pour ceux qui suivent la configuration d'Ultrasoft sur PC et sur ordinateur. Il y a une modification que je vais faire sur PC et sur smartphone. Avant de surfer, veuillez avoir au minimum 100 francs pour pouvoir télécharger la liste des serveurs pour Ultrasoft. En cas de problème, veuillez notifier en commentaire pour ceux qui n'ont pas pu configurer Ultrasoft sur PC et sur téléphone. Aujourd'hui, on se retrouve vidéo la configuration Internet pour le côté du Mali. Au préalable, déjà, je vais présenter la configuration par défaut de mon smartphone Orange Mali. Bon, je vais présenter la configuration par défaut. Justement, vous attendiez que je fasse une vidéo, que je devais faire une vidéo avec Finch VPN, mais j'ai pas fait de vidéo avec Finch VPN. Voilà la configuration par défaut. On a là proxy 10.109.4.35. On a là les ports 80 et 80. Justement, vous avez attendu la vidéo avec Anonitune, mais je suis désolé de vous dire, j'ai pas reçu les nouveaux hosts pour Anonitune du côté du Mali. Vous allez vraiment m'excuser aussi du côté, je peux dire, de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, j'ai pas une configuration stable pour la Côte d'Ivoire, mais d'ici demain, je vous posterai une vidéo avec les gens du Bénin et aussi les gens de la RD Congo, Guinée équatoriale et du Gabon. Justement, on enregistre notre configuration. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'avoir le VPN qui est inconnu par tous, appelé Monsieur VPN. Ce VPN est familier avec Finch VPN que vous utilisez. Justement, il est légèrement stable que Finch VPN. Donc, ce VPN, je vous conseille de l'utiliser si vous voulez surfer gratuitement sur Internet mobile au Mali. Donc, justement, on va cliquer ici sur connexion. Mais avant de m'exprimer, il n'y a pas de configuration à faire sur ce VPN, ça n'a pas de menu. Parce que cette configuration, les failles sont faites anticipées. Donc, ce VPN fonctionne avec les protocoles OpenVPN. Justement, on clique là sur connexion. Et on clique ensuite ici sur ce gros bouton. Justement, on patiente. Building Configuration, ça recharge la configuration. Et là, ça essaie de s'authentifier. Quelques secondes et bientôt, nous serons connectés à Internet. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas connectés. Et là, ça ajoute les routes. Et nous sommes connectés en Russie. Que c'est fabuleux ce VPN avec bon trop de publicité, vraiment ça a trop de publicité. Justement, pour aller essayer de voir si notre VPN fonctionne à merveille, on va essayer d'ouvrir Google Chrome. On va voir si cela fonctionne justement. Justement, on va voir si cela fonctionne. Bon, c'est légèrement lent, mais c'est peut-être un peu mieux que Finch VPN. Donc, justement, patiente que notre page s'ouvre dans Google Chrome. J'aurais dû tester avec UC Mini, mais Google Chrome, autant pour moi, consomme que UC Mini. Voilà, on a un peu de problème de réseau là. On essaie Google CI. Voilà, ok, si on le voit. Bon. Ah, pourtant, ce VPN, ça fonctionne bien, mais apparemment, le tunnelisage ne fonctionne pas. Voilà. Voilà que nous parvenons déjà à pouvoir recharger la page Google, mais cela prend beaucoup de temps pour se recharger. Donc, si vous êtes abonné à Chronique Cracker, si vous aimez les tutoriels de Chronique Cracker, vraiment, restez connecté pour pouvoir patienter dans les prochains tutoriels pour surfer gratuitement à Internet. Nous allons justement tester si cela fonctionne avec WhatsApp. Question de voir si cela marche vraiment. Voilà. Vous voyez là. Voilà le groupe dédié pour l'Internet gratuit. Pour ceux qui veulent me rejoindre, justement, le numéro est plus 1. 585 902 91 34. Voilà. Donc, justement, je vois quelqu'un là me demande s'il n'y a pas de vidéo pour le Cameroun. Justement, j'ai posté les vidéos pour le Cameroun. J'ai posté hier. Donc, il y a déjà pour le Cameroun. Merci, merci. Restez connecté à Chronique Hacker, surtout pour le pompage du data. J'ai dit, c'est quand j'atteindrai les 1000 followers sur ma
page Twitter. Donc, justement, si vous voulez me joindre à Twitter, le lien est dans la description de la vidéo. Pour mon groupe Telegram, le lien est justement dans la description de la vidéo. Et aussi, le lien pour les groupes WhatsApp. Vous pouvez me joindre sur le numéro, je vous filerai le lien. Merci et à très bientôt pour un autre tutoriel vidéo. Voilà, je vais vous présenter l'interface. Voilà, un autre tutoriel vidéo. À très bientôt.